pour aller à Paris, on va faire un plein complet si tu veux. Mais on ne va pas décoller comme ça et partir comme ça. On va s'aligner et on va prendre. Ok. De l'élan. Voilà, on va prendre comme un avion, on va prendre de l'élan et ensuite on va décoller. Mais même à Vichy, s'il fait un chaud, sur la DZ de Vichy, à l'hôpital, moi ça m'est arrivé. On n'était pas chargé au-delà pourtant, il faisait un peu chaud, et bien on avait du mal à décoller. Parce que l'air est moins important. Voilà, exactement. Tout à fait ça, c'est l'air qui est moins important. Mm-hmm. Donc on calcule la quantité de kéro en fonction, par exemple, en temps normal, on est à 400, je te parlais en kilos, hein, ce qui correspond à 500 et quelques litres. Hein. On est à 450 kg l'hiver, tu vois, là, à partir de ce fin septembre, on va être ça. L'été, le plein été, on sera à 350 kg mm-hmm. de kérosène, hein, que de kérosène, mm-hmm. je ne compte pas. Hein. Sinon, s'il fait le printemps, on sera dans les 300, dans les 400, 350, 300 kilos, tu vois. Alors après, il faut jouer avec la distance, bien sûr. Ouais, si oui. tu vas avec Aurillac, avec 400 kilos, tu fais aller-retour. Avec 400 kilos, ici, on fait tout, mm-hmm. on fait toute la région. Mm-hmm. Mais vous faites le plein avant de décoller ou vous avez... Là, il y a déjà, là, ils sont prêts à partir. Là, ouais, ouais. là l'hélico est toujours prêt à partir. C'est le but, si tu veux, c'est d'aller au plus vite. Oui, oui, bien sûr. Dès qu'ils sont appelés, que ça sonne, il y a un klaxon, et ils sont appelés au SAMU ou à Moulay ou sur une intervention accident, tu vois, ils vont plus vite.